En ébullition, la place de fête de Banjoni accueille l'enfant du pays. Le sénateur Emmanuel Tchatchué, nommé par Paul Biya, dans ce bain de foule interminable, reçoit par cette chaleur populaire l'amour des siens. Sur les lèvres, la gratitude. Notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour avoir bien voulu élever notre camarade et frère Tchatchué Emmanuel à la dignité de sénateur de la République. Leur voix, l'une après l'autre, résonne ici et retentit au Palais de l'Unité. Lui-là est assumé par la région de l'Ouest entière une motion de soutien destinée au chef de l'État. Notre profonde et déférente gratitude pour la nomination du sénateur Tchatchué Emmanuel. Vous manifestons notre reconnaissance pour le renouvellement au niveau du Parlement de votre très haute confiance aux filles et fils de la région de l'Ouest. Vous lançons un appel vibrant afin que vous soyez le candidat des populations du département de Kunki et de l'ensemble de la région de l'Ouest à l'élection présidentielle de 2025. Nous engageons à tout mettre en œuvre pour assurer votre triomphe au terme de l'élection présidentielle suivie, ainsi qu'une victoire éclatante du RDPC à l'issue du double scrutin des législatives et municipales de 2025. Engagement et appel devant témoins, pas moins que le vice-président pour représenter ici le président du Sénat. Les membres du gouvernement, une dizaine, venus marquer de leur présence ces moments de reconnaissance et de soutien. L'émotion de l'heureuse vedette du jour est au pic. Comme un enfant qui se laisse remplir de joie en recevant un précieux cadeau de son père, je suis très heureux et me sens béni face à ce précieux couronnement que j'ai reçu du père de la nation. Le ton est révélateur du senti et du ressenti. La hiérarchie politique est fière du militant exceptionnel et porte là la satisfaction du président national. La satisfaction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour les bons et loyaux services que vous rendez à notre cher et beau pays, le Cameroun, en qualité de citoyen exemplaire, de militant loyal et fidèle du RDPC. Le giga-meeting de ce samedi marque l'adhésion des populations au choix présidentiel porté sur ce fils du village. Nous avons préparé ce giga-meeting sous le leadership de son Excellence Docteur Tuente Madeleine, à sa qualité de superviseur général. Elle a été la tête pensante de cette manifestation en définissant ses termes de référence et ses grandes orientations et en mettant en place les structures chargées de son organisation. Elle a personnellement assuré le monitoring de l'organisation, mais hier, alors que tout était fin prêt pour son déplacement, elle a dû revoir ses plans en raison d'un cas de force majeure. La contrée a fait le reste avec amour et militantisme. Emmanuel Tchatchué, sénateur chouchou, décret populaire avec preuve par neuf.